Un départ qui s'est fait à sa demande. Début février, quelques jours seulement après le départ de Clément Rémien du feuilleton quotidien Ici Tout Commence, Allociné révélait que le comédien allait être suivi prochainement dans sa démarche par Lucia Pasaniti. En effet, après un an et demi dans la peau de Noémie Mattrey, l'actrice a pris la décision de quitter la série dérivée de Demain nous appartient. C'est un rythme de travail très particulier, qui demande d'être complètement impliqué dedans, a-t-elle ainsi expliqué à nos confrères d'Allociné, précisant avoir aujourd'hui, envie d'autre chose. Si elle espère poursuivre une carrière de comédienne, Lucia Pasaniti précise qu'elle souhaite notamment écrire, et de s'essayer à d'autres formats. Dans ma conception du métier d'acteur, il y a le fait de changer tout le temps de personnage et de toucher à plein de choses. Et là, je sentais que je commençais à être frustrée, admet-elle, évoquant notamment les absences de plus en plus pensantes de Noémie dans les intrigues d'Ici Tout Commence, notamment depuis sa démission de l'Institut. Donner la priorité à un projet sur lequel on est moins sollicité, ça n'aidait pas à s'organiser pour le reste, explique Lucia Pasaniti. Car à la fin j'avais beaucoup moins de jours de tournage, il faut bien l'avouer. Mais je ne pouvais pas forcément m'engager sur d'autres projets, a-t-elle précisé. Lucia Pasaniti espère pouvoir venir toutefois, si Lucia Pasaniti prit la décision de quitter la série de TF1, hors de question pour elle de fermer définitivement la porte à la production d'Ici Tout Commence, tandis qu'elle reste malgré tout attachée à son rôle de Noémie. J'espère même pouvoir revenir de temps en temps, ou au moins une fois, pour jouer une jolie intrigue si on me le propose. Ça me toucherait énormément et je trouverais ça très joli par rapport à tout ce que la série a représenté pour moi, a-t-elle confié. Un départ qui finalement n'est peut-être pas vraiment un.